Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul iHerb. C'est une commande que j'ai reçue il y a une dizaine de jours. La plupart des produits, j'ai commencé à les utiliser, donc je pourrais en plus vous donner mon avis. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y avait dans ma commande. La nouveauté, c'est qu'il y a des produits alimentaires cette fois. J'ai voulu essayer. Donc on va commencer par un nettoyant doux pour la peau, pour le visage, de la marque Nutribiotique. Donc c'est une formule à l'aloe vera sous forme de pompe. C'est une grosse contenance, voilà, 473 ml et c'est un produit qui coûte pas cher du tout. Ça vaut 5,39 $. Donc en plus ça va me durer pas mal de temps. J'ai commencé à l'utiliser, il est très bien. Il a une petite odeur de menthe, donc c'est rafraîchissant. Ça nettoie bien, c'est effectivement hypoallergénique. Ça ne m'a fait ni briller, ni piquer la peau, ni piquer les yeux. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus si ça vous intéresse un peu plus tard. Mais en tous les cas, pour les 5 ou 6 fois où je l'ai utilisé, j'en suis très contente. Ensuite, j'ai pris un déodorant sous forme de spray cette fois. Donc le Crystal Body Déodorant Spray sans chlorhydrate d'aluminium, hypoallergénique, sans parfum et sans parabène. Il est pas mal. J'étais assez surprise parce que je m'attendais pas du tout à un bon résultat, surtout vu le prix. Il coûte seulement 3,07 $. Donc je me suis dit bon, il a eu du succès en fait. Il a beaucoup été acheté, il y a eu beaucoup de retours sur ce produit. Ils avaient l'air de dire qu'il marchait bien, donc j'ai voulu l'utiliser. Effectivement, il marche très bien. Enfin, très bien. Il marche bien, on va dire. C'est évidemment pas un antitranspirant, mais pour l'hiver, c'est suffisant. Ensuite, ça, ce sont des petits... vous savez, des patchs. Voilà, des patchs pour retirer les points noirs et pour resserrer les pores. Voilà, il y en a 3 à l'intérieur. C'est un tout petit paquet en fait que j'avais acheté en prix spécial pour 50 centimes. Voilà, 50 centimes de dollars, j'ai payé ça. Donc ce sont les prix spéciaux, on a le droit sur le site iHerb. Vous avez une catégorie qui vous donne la liste des produits à prix spécial quand vous commandez. Vous en avez droit à seulement un par commande. Donc voilà, cette fois j'ai choisi ça. J'ai pas encore essayé. On verra ce que ça donne. Ensuite, on va passer à l'alimentaire. Enfin, ça c'est un complément alimentaire. Je n'ai pas encore commencé. Elderberry, c'est du sureau. C'est 100% naturel, c'est enrichi au zinc et à la vitamine. Vous avez même le Oyu. Voilà. Et c'est de la marque Sambucus Immune. Voilà, il faut en prendre un ou deux par jour. Ça peut être utilisé pour les enfants comme pour les adultes. Voilà, c'est sans gluten, sans conservateur artificiel. C'est un produit 100% naturel. Il y en a 30 à l'intérieur. Donc si on en prend un ou deux par jour, ça peut durer entre 2 semaines et un mois, une boîte. Voilà, donc c'est pas mal pour l'hiver. J'ai pas encore commencé. Je vous en donnerai des nouvelles si ça vous intéresse. Et ce genre de complément sur iHerb, ça vaut pas si cher que ça. 9,13 $. Voilà. Je sais pas si c'est avantageux ou pas. En tous les cas, j'ai eu envie de l'essayer. Il a eu de très très bons retours aussi celui-ci. Ensuite, dans l'alimentaire, j'ai pris un paquet de purée, vous savez, en sachet. 100% naturel, il n'y a pas de sel aussi à l'intérieur, je crois. Et voilà, c'est pour les personnes ça convient aux personnes qui prennent du vegan, ou les personnes qui mangent cachère, enfin bref, c'est sans gluten aussi. Donc ça peut convenir vraiment à pas mal de gens. Moi, c'est pas trop mon style d'acheter ça. Je n'aime pas du tout les purées en sachet, mais j'ai eu envie d'essayer. Voilà, la simple curiosité.
En plus, ça vaut 2,64 $ le paquet. Ils disent que c'est pour 4 servings, 4 plats, enfin 4 assiettes, mais non, ça fait 2 assiettes hein, là-dedans, il n'y a pas énormément de quantité, c'est quoi? C'est 100 grammes seulement. Donc, sinon, est-ce que c'est bon? C'est pas mal. Moi, évidemment, je préfère la purée maison, hein, celle, il n'y a pas photo, mais c'est pas mal pour dépanner. Voilà, vous versez ça dans un récipient, vous recouvrez d'eau chaude, vous mélangez, vous couvrez et vous laissez reposer. Voilà, c'est pas mal, il y a du poivre à l'intérieur et je crois qu'ils font d'autres goûts. Ensuite, j'ai pris des cranberries séchées. Voilà. Et de la marque Eden Organics. Ça vaut 4,14 $. Et il y en a pour 113 grammes. C'est certifié 100% naturel. Voilà. Vous avez toujours le cas. Ici. On ne le voit pas, évidemment. Voilà. Donc, bah oui, c'est bon. Moi, j'adore ça. Pourquoi je les achète pas en France? Bah parce que j'étais curieuse de les tester, de tester ceux-là qui sont vraiment 100% naturels et il n'y a pas d'ajout de sucre, je crois. Voilà, c'est c'est pas additionné en sucre. Donc vraiment pour trouver ce genre de produit, il faut que j'aille dans les boutiques bio et j'en ai pas forcément. Enfin voilà, les boutiques bio, j'y vais pas forcément tous les jours, donc j'y vais que très rarement. Donc voilà, j'ai eu envie de tester. Elles sont très très bonnes. J'ai pratiquement terminé le paquet. Et oui, je rachèterai ça. Ça, je vais en racheter parce que franchement, j'adore manger ça, vous savez, le matin, avec des fruits secs en coque, des amandes, des noisettes. Voilà, je me fais un petit mélange. C'est vraiment, franchement délicieux et ça cale bien jusqu'au repas du midi. En plus, c'est très bon pour l'organisme, les cranberries. C'est vraiment très très bon. Vous pouvez même en faire, enfin en mélanger dans des salades. C'est vraiment très agréable à manger avec. Si vous aimez, vous savez, les mélanges salés sucrés, c'est vraiment très sympa. Ensuite, on va passer aux produits de la marque ELF. Donc, j'ai commandé principalement pour ça. Parce qu'en fait, ils étaient en train de faire une promo moins 20% sur tous les produits de la marque ELF. Donc voilà, j'ai voulu en profiter. J'avais précédemment acheté quelques produits et j'en étais plutôt contente, donc j'ai voulu en tester d'autres. Donc on va commencer par les sticks All Over Color Sticks. Voilà, j'en ai pris 3. Alors celui-ci, c'est une couleur assez claire, c'est la couleur rosy beige. Light beige qui est encore plus clair. Voilà, donc c'est une teinte en dessous ma carnation en fait. Pourquoi? Parce que je vais l'utiliser en tant que, je l'utilise déjà d'ailleurs en tant qu'illuminateur sur le visage, donc sur les ailes du nez, un petit peu sur les cernes, sachant que ça peut vous assécher celles qui ont le contour de l'œil sec. Je ne vous conseille pas d'utiliser ça parce que ça peut vous assécher encore pire le contour de l'œil. Je l'utilise sur le menton, enfin bref, je l'utilise pour un petit peu éliminer mon visage. C'est un petit peu la fonction de la touche éclat de chez Yves Saint Laurent que j'ai et que j'ai presque terminé et qui coûte vraiment très cher comparé à ce petit truc là. Donc j'ai l'impression que j'ai de moins en moins envie d'acheter des produits vraiment trop chers parce que voilà, j'arrive à trouver des produits vachement satisfaisants mais en plus pas cher du tout. Donc celui-ci va remplir la fonction d'illuminateur en remplacement de la touche éclat de Guerlain que j'ai presque terminé. Donc ça vaut 1,99 $ seulement. Ils valent tous 1,99 $ je crois. Ouais, ils valent tous 1,99 $. Ensuite, une couleur beaucoup plus foncée. Voilà, beaucoup plus foncée, hein. Là, c'est du, vous voyez, c'est du marron très foncé. Voilà, alors ça, je l'ai pris pour faire du contouring sur mon visage. Mais finalement, ça va pas. J'aime pas l'utiliser sur le visage.
J'aime pas l'utiliser en tant que contouring. Je préfère garder mon bronzer poudre. Mais, donc je sais pas encore en quoi je... comment je vais pouvoir l'utiliser. C'est le, la couleur Toffee. Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Hein. C'est pas... Je sais pas, peut-être pour le... les sourcils, j'en sais rien. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser. J'aime pas l'utiliser en contouring parce qu'en fait ça fait des traces et il est légèrement rougeux et je déteste ça sur le visage. Moi j'aime le un vrai marron sur le visage. Donc on verra. Peut-être pour l'été je l'utiliserai en touche légère en tant que blush. Je n'en sais rien. On verra bien. Donc ça vaut aussi 1,99$. Ensuite un autre. Voilà, un rose vraiment très très joli. C'est la couleur pink limonade, qui sent bon. Voilà, c'est légèrement irisé, c'est un rose. Et vous voyez, quand moi comment je l'applique, je l'adore ce produit. Parce qu'en plus, il fait double fonction. Vous pouvez l'utiliser, en fait il fait blush et aussi je trouve comme highlighter. Et je le trouve vraiment génial ce produit. Il vaut 1,99$ et donc comment je l'utilise, j'en prélève un petit peu sur le doigt et je tapote le, mes pommettes pour faire une petite couleur rosée et légèrement irisée sur le visage. On voit pas bien, dommage à la caméra, mais là voilà, on voit tout de suite que ça accroche la lumière. Vraiment il est génial ce produit. Je pense que je vais en racheter un autre en backup parce que je l'aime vraiment beaucoup. Depuis que j'ai reçu ce produit, je n'utilise que ça en blush et donc ça vaut 1,99$. Donc à tous les prix que je vous ai donné les prix de base. Donc après derrière, il y avait encore moins 20%, donc c'est encore moins cher que ça. Par exemple ça, ça m'a coûté 1,59$. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de deux flops. Tiens, deux produits que j'ai pas du tout aimé. Donc c'est un primer pour les lèvres. Vous voyez, c'est un tout petit stick comme ça. Et de l'autre côté, vous avez un soin, je crois, ou je ne sais quoi. Ou, voilà, c'est transparent. Alors, pourquoi je n'aime pas du tout? Parce que l'odeur est juste immonde. C'est une odeur vieillotte. Comment ça s'appelle? L'Eye Primer and Plumper, voilà. Plumper de chez ELF. Ça vaut 3$. Je suis déçue parce que je pensais que ça allait bien me servir, mais en réalité pas du tout. Je n'arrive pas du tout à l'utiliser. Donc ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. Vraiment, l'odeur est hyper désagréable. Je n'ai même pas envie de le sentir là. C'est vraiment désagréable. Ensuite, un deuxième produit que j'ai pas aimé, c'est le Eyebrow Treat and Tame de la marque ELF. Voilà, donc vous avez un côté pour colorer vos sourcils avec une brosse et un autre côté soin et brillant, sauf que c'est, vous voyez, comme ça. Au lieu que ce soit une petite brosse aussi, c'est un pinceau. Alors, c'est pas pratique du tout parce qu'en fait, ça aplatit vos sourcils. Ça les fait briller légèrement, donc c'était vraiment ce côté-là que je voulais. Traitement, j'y crois pas, mais bon. Et ça aplatit les sourcils, donc non, je peux pas l'utiliser. Et de ce côté, bah, j'aurais pu pouvoir l'utiliser. Enfin voilà, on aurait pensé que ça aurait pu aller, mais pas du tout, parce que la brosse est juste énorme. Donc en fait, vous en foutez partout, c'est inutilisable. Donc celui-ci, je ne vous le conseille pas, et ça vaut 3$. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Nous verrons bien. Ensuite, un produit que j'adore. Celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai mon précédent. C'est un lip exfoliateur, en fait. J'ai encore le précédent qui est ouvert et que je dois terminer. Donc, il est encore tout neuf. C'est en fait un rouge à lèvres que vous utilisez sur les lèvres, donc, pour exfolier vos lèvres, donc retirer les petites peaux mortes. Et il y a du sucre. Il y a du sucre à l'intérieur, des petits grains de sucre, je crois. Et il y a aussi de l'huile, enfin je ne sais pas ça, c'est une odeur de vanille, ça exfolie super bien les lèvres sans les agresser. Juste derrière en fait, quand vous retirez le sucre des lèvres, vous sentez une pellicule
de gras en fait qui est en train de nourrir vos lèvres. Mais moi par-dessus, je mets aussi un baume à lèvres pour vraiment pas laisser mes lèvres comme ça, quoi, sans, comment dire, sans hydratation directement, parce que j'ai les lèvres vraiment particulièrement sensibles. Mais en tous les cas, avant de mettre un rouge à lèvres mat, ça c'est nécessaire, quoi, et ça marche super bien. Celui-ci, je vous le conseille. Je sais pas d'ailleurs s'il n'est pas déjà out of stock, parce qu'il a énormément de succès sur le site, donc ça vaut 3$. Ensuite, deux primers. Voilà, c'est deux primers exactement de la même couleur. Pourquoi j'en ai pris deux? C'est des eye primers en fait. Hein. Eye shadow primer. Alors pourquoi j'en ai pris deux? Parce que c'est des petites contenances en fait. C'est deux modèles différents, mais c'est des toutes petites contenances. Ça se termine vraiment très vite. Et moi j'utilise beaucoup ça sur les paupières. Vous voyez, c'est une couleur naturelle. Et ça vous permet d'unifier en fait la couleur de votre paupière et d'intensifier les couleurs des fards à paupières et de les faire tenir en fait, tout simplement. Voilà. Donc moi j'applique ça tous les matins, soit seule, soit derrière avec une petite ombre à paupières pour faire plus joli. Et donc ceux-là, ils valent 1,99$ et l'autre je crois qu'il est au même prix. Non. Pardon, celui-ci est à 1,99$, le format comme ça. Et celui-ci, le deuxième, celui-là, il vaut 3$. 4,5 grammes. Et l'autre, il fait combien? 5 millilitres. C'est très bizarre. Là, il y en a plus que là. Et il est moins cher. Ben, je ne sais pas. Highlight primer, eyeshadow primer, je ne sais pas, je ne vois pas vraiment la différence, mais bon bref. Les deux sont très bien, j'ai testé les deux. Ensuite, deux rouges à lèvres. Ça, je crois que c'est la gamme studio, parce qu'ils ont plusieurs gammes chez ELF. Donc, un rouge comme ça. Ce sont des rouges à lèvres mat, j'adore les rouges à lèvres mat. Donc, on pense qu'il est rouge, mais en fait, il est plus cerise que rouge. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu déçue pour ça. Mais par contre, il fait une très très jolie couleur. Très très jolie de couleur. J'aime beaucoup. Alors, vous pouvez l'utiliser en petite touche ou vraiment en rouge sur les lèvres assez. Vous voyez là, c'est rouge. Et quand vous l'appliquez, c'est cerise en fait. Et donc, soit vous pouvez l'utiliser en petite touche pour faire une jolie couleur, soit vraiment en rouge à lèvres bien mat. Et donc en exfoliant vos lèvres avant pour que ça fasse un joli résultat. Et il est très bien. Il ne dessèche pas énormément les lèvres. Je m'attendais à pire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et il tient très bien. J'ai le même en couleur nude en fait. Alors attendez, celui-ci c'est quoi? C'est le Rich Red. Et celui-ci, le Nearly Nude. Voilà. Donc ça, c'est un nude très joli sur les lèvres que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser tous les jours, en fait, en rouge à lèvres de tous les jours. Et donc, ces petits rouges à lèvres, ils valent 3$ chacun. Ensuite, un crayon à lèvres, donc de face. Vous avez un crayon à lèvres assez foncé en fait pour voyez, pour définir le contour de vos lèvres. Donc ça c'est bien quand vous utilisez un rouge à lèvres nude, vous mettez ça en contour des lèvres et vous estompez au doigt, c'est vraiment très joli. Et alors celui-ci il est plus illuminateur en fait. Ils disent qu'il est nude mais c'est pas vrai en fait, il est irisé. Et c'est aussi très 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 joli sur les lèvres. Moi j'aime beaucoup l'utiliser directement sur les lèvres. J'ai les lèvres déjà de couleur très foncée. Et quand je le mets directement, ça met un léger irisé sur mes lèvres. J'aime beaucoup. Et donc ce crayon double face coûte 3$. Et enfin deux produits pour terminer. Donc ça c'est une single eyeshadow. C'est un de la marque ELF. Donc c'est un kaki.
Voilà, c'est un kaki que j'aime beaucoup utiliser pour l'hiver. Et c'est légèrement irisé, mais franchement, on le voit pas du tout. Ça, c'est la couleur que ça donne. On voit pas très bien en fait. Là, on voit du gris, mais c'est vraiment du kaki irisé. C'est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup utiliser ça en. Au lieu d'utiliser un crayon noir, j'utilise ça en contour de l'œil en fait, sur la paupière inférieure. Le rectile inférieur plutôt. Voilà, le rectile inférieur et le rectile supérieur. La paupière supérieure. Et donc ces petits fards à paupières individuels, ils coûtent 3$. Il y a plein d'autres couleurs. Hein. Alors ça c'est un kit pour faire ses sourcils. Donc vous avez un fard crème marron très foncé. Et même trop foncé pour moi. Et un beige comme ça qui est un vrai fard poudre. Donc pour vous souhaitiez, j'essaie de vous souhaiter ça. Voilà, donc ça c'est un vrai marron, presque vrai marron foncé, presque noir. Et là vous avez un fard à paupières beige. Donc c'est plus le beige que j'utilise finalement sur mes sourcils, mais vous pouvez aussi l'utiliser en fard à paupières, en fard pour les paupières en fait, tout simplement, fard à paupières. Oui, en fard à paupières. Voilà, il est de très bonne qualité, il est limite crémeux et il est assez, vous voyez, en creux de paupières. Celui-ci, il est très très joli et il tient très très bien. Il est très pigmenté. Donc voilà, même si j'utiliserai pas pour mes cils parce que cette couleur est trop foncée et puis celle-ci, ça peut aller, mais c'est pas encore ça, c'est un petit peu trop clair en fait. C'est pas ce que j'utilise donc finalement pour mes paupières, j'utilise un fard de la palette Lorac Pro, la Une, un fard marron. Là c'est vraiment parfait, mais j'ai eu envie d'essayer ce petit kit. Et voilà, donc le marron foncé, je sais pas encore. Peut-être en fard à paupières, je vais utiliser les deux en fard à paupières, je ne sais pas. On verra. Voilà. Alors ça vaut combien? Que je vous dise le prix. 3$. Voilà. Et j'avais eu aussi, je crois, 10$ de réduction. Ou 10%. Non, 10% de réduction pour 40$ d'achat. Et toujours des frais port à 4$. J'ai reçu la commande en 12 jours. Voilà, ça vient des États-Unis et franchement, je suis encore vraiment très satisfaite des produits et du service à présent de ce site. Je peux que vous le conseiller. Si vraiment les produits que je vous présente vous intéressent, allez voir, allez faire un tour. Bon, faut prendre le temps aussi parce que tout est en anglais et puis c'est un anglais très technique. Bon, faut prendre le temps de regarder les produits, de s'intéresser, de regarder des hauls et des revues sur YouTube et sur les blogs. Mais voilà, moi je trouve que c'est hyper intéressant et avantageux de passer par ce genre de site, même si ça vient des États-Unis. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!